Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel numéro de Holy Business, toujours le plus vivant sur l'actualité économique et boursière d'Holycube. Cette semaine, nous reviendrons sur l'accident de vol qui a failli coûter plus que la vie au PDG de la Rorana Corp et sur le sauvetage épique qui a eu lieu. Puis nous analyserons les tendances boursières de la semaine dans nos brèves rédos dynamiques. Commençons nos news économiques par un fait divers qui aurait pu être très lourd de conséquences pour plusieurs des sociétés cotées en bourse. Il était aux environs de 21h30 ce lundi quand Monsieur Oran, PDG des deux sociétés Orana Corp et Cube 40, s'affairait dans sa base intersidérale. Il était prévu ce soir-là de procéder à un déménagement sans histoire de plusieurs dizaines de shulkers pour planifier la prochaine construction d'une tour de défense contre les menaces interplanétaires. Le drame a débuté alors que personne n'en avait encore conscience. Monsieur Oran a chargé tout un inventaire avec ses plus précieuses cargaisons et du matériel amassé pendant des semaines. Mini-blocs, fer, redstone, or, quartz, béton, verre et bien d'autres ressources encore. Au moment de s'élancer pour rejoindre le nouveau lieu de stockage, le destin était déjà quasiment scellé. Les fusées, indispensables aux manœuvres dans le vide spatial, avaient été par mégarde déposées. Oran s'est jeté dans le vide, confiant sur sa maîtrise du pilotage et de ses mesures de sécurité. Hélas, trop de confiance nuit, et la manœuvre visant à l'atterrissage fut ratée. C'est ainsi que commença la chute en vol plané, en dessous de toute structure de l'End et à destination du néant. C'est ainsi que débuta également l'un des sauvetages les plus épiques de l'histoire du serveur. Avant de faire le portrait des héroïques sauveteurs, attardons-nous sur les conséquences économiques du potentiel désastre qui était en jeu à ce moment-là de la soirée. Les investisseurs sont forcément très regardants sur les activités des sociétés cotées à la bourse. Monsieur Oran est PDG de deux entreprises dont les cotations ne sont pas les plus bankable de l'indice. Le Cube 40, propriétaire de la bourse, est à la peine depuis plusieurs mois maintenant avec des projets en berne et une rentabilité au ras des pâquerettes. La mort de son PDG n'aurait pas changé grand-chose, la valeur du Cube 40 étant déjà en pleine déliquescence. Orana Corp, de son côté, est une société au parcours plus atypique en bourse, et nous expliquions les semaines passées que son cours était orienté à la hausse en ce début de 2021, porté par de nouvelles usines en construction, des projets pharaoniques et une meilleure organisation logistique. Il est clair que la disparition d'une grande partie des matériaux de construction, ainsi que des pièces les plus chères et rares de l'inventaire de la corporation spatiale, aurait porté un coup fatal à son élan positif. Les retards pris sur les chantiers se seraient comptés en semaines, voire en mois, pénalisant forcément les performances boursières. N'écoutant que leur courage et faisant preuve d'une solidarité à toute épreuve, les joueurs Golden et Vartak ont très rapidement répondu à la demande de secours envoyée à travers les ondes de l'hyperespace. Le temps était comme suspendu pour Monsieur Oran lorsqu'il a fallu préparer dans l'urgence un plan de sauvetage. Le scénario privilégié a été de tenter un ravitaillement en plein vol. L'idée était que M. Vartux se lance dans une poursuite aérienne pour lancer des fusées en espérant que M. Oran puisse faire le vide dans un emplacement de son inventaire à temps pour en attraper une avant le seuil du néant. M. Golden devait de son côté voler en formation serrée pour lancer des potions de vol ralenti. Cette tentative risquée avait été jugée la seule possible car M. Oran était depuis bien trop longtemps en vol en dessous de la limite des constructions autorisées dans l'End. La tentative tant redoutée a eu lieu. Les valeureux sauveteurs ont même reçu la visite de Steelhorse et de notre bon maire président Roi Louis, venus tous deux en personne apporter leur soutien à l'opération. Malheureusement, les conditions de vol à une altitude si basse dans l'End rendent la visibilité très faible. Alors que Vartix et Golden volaient très proche de Monsieur Oran, il était impossible de se voir correctement et de lancer les potions et le ravitaillement en fusée. Monsieur Vartex a été lui-même aspiré par le néant au moment de cette tentative. Tout semblait perdu. Les actionnaires de la Orana Corp étaient à deux doigts de jeter leurs actions dans le vide, en même temps que leur PDG s'y précipitait. C'était sans compter sur l'intervention in extremis de Dieu ML2G. Prévenu par la communauté, Monsieur ML2G a pu intervenir par la pensée, diffusant ses ordres à travers les champs électromagnétiques subspatiaux. A l'aide d'une commande dont il a le secret, il a pu puiser dans le vide quantique l'énergie pour téléporter instantanément Monsieur Oran en lieu sûr. L'ensemble des spectateurs qui a pu assister à l'événement, retransmis en direct et en différé sur plusieurs médias, n'a pu retenir un ouf de soulagement. Toute la cargaison était sauvée, et avec elle une bonne partie des projets de la Orana Corp. Fort de cette quasi-résurrection, le PDG Oran a assuré qu'il saurait témoigner à Dieu ML son immense reconnaissance. On parle déjà de dons d'action et de commémoration en grande pompe.
Les actionnaires peuvent donc garder, au moins pour l'instant, leurs actions. La cotation de la Uranacorp baisse fortement, de 34,78% à 15 diamants par action, car cet incident vient rappeler les conditions extrêmes et dangereuses de l'espace. Mais franchement, sans le courage de tous les sauveteurs, cela aurait pu être bien pire. Passons maintenant aux tendances rédodynamiques de la semaine, fortement marquées par l'incident du PDG, Monsieur Oran. Commençons par la remontée la plus extraordinaire de cette semaine, celle de Pheromone. La société de Dieu ML était largement sous-estimée au vu des capacités extraordinaires de son PDG, qui peut faire la pluie et le beau temps sur le serveur. La production de fer n'est évidemment qu'une facette parmi les pouvoirs de vie et de mort qu'il possède. Plus 193,75%, valeur globale de 4700 diamants. Bon, certaines mauvaises langues diront peut-être que les experts économiques se sont un peu emballés, nous vous laissons seul juge. ABC atteint également un plus haut historique avec plus 78,52% à 25 diamants par action. Le sacrifice héroïque de son PDG, la mort la plus unique parmi ses 3000 et quelques décès précédents, montre à quel point il est dévoué au serveur et à quel point il fera tout pour le faire prospérer. Les investisseurs aiment cet état d'esprit et valorisent fortement le groupe cette semaine. Gold Factory grimpe de 40% à 2800 diamants pour les mêmes raisons. L'organisation des secours pour Monsieur Oran a beaucoup dû au génie organisationnel de Monsieur Goldown. Les actionnaires sont donc prêts à valoriser l'entreprise dorée, et cela même si certains incidents d'ascenseur sont parvenus à notre rédaction. Nous ne dévoilerons donc pas qu'un élévateur de l'entreprise a défoncé une coupole pressurisée menaçant de décompresser l'entièreté d'une base spatiale, non. Dans un registre complètement différent, la Sainte-Frite Industrie est également en belle progression de 24,44% à 5600 diamants. Les récents travaux de fortification vont très fortement renforcer la sécurité de la ville principale de la Sainte-Frite. Les nouvelles semblent plutôt bonnes dans la capacité de protéger la production face aux nombreux raids et nombreuses pranks subis jusqu'à maintenant. Peu de baisses notables cette semaine, à l'exception de celle de la Tutucorp qui chute de 43,33% à seulement 5100 diamants de valorisation globale. Ce que beaucoup craignaient est peut-être en train d'apparaître. La bulle de la déco est peut-être en train d'éclater. En tout cas, les experts ont regardé les comptes de Madame Tungsten de plus près et ils ont constaté des dépenses énormes en alimentation pour poulets et canards, de même que des frais de garde gigantesques pour les poussins. Les revenus liés aux organiques couvriraient à peine les dépenses. On espère en savoir davantage dans les semaines à venir. Cette semaine, l'indice Cube 40 termine sur une belle hausse, plus 4,86% à 1497,41 points. L'indice aura été totalement marqué psychologiquement par l'accident de Monsieur Oran et les cotations ont été impactées de manière complètement objective, ou pas. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à analyser l'actualité économique et boursière. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité à Holy Business et à très bientôt.